Alors bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour à tous, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour au monde entier, bonjour à tout le monde, bonjour à l'Ivoirien du Nord, l'Ivoirien du Sud, l'Ivoirien de l'Est, l'Ivoirien du Centre, bonjour à l'Ivoirien du FPI, bonjour à l'Ivoirien du PDCI, bonjour à l'Ivoirien soroïste de Gor, alassaniste, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour au monde entier, bonjour à tous et à tous. C'est le plein plaisir encore ce matin de se retrouver pour parler. Pour faire le point de la situation actuelle dans notre pays, la Côte d'Ivoire, la situation actuelle sur tout le tendu du territoire. Pour nous, c'est important, c'est capital. Momo Diabaté, sois salué depuis ta position. Rokia Bamba, c'est comment la soeur? Ça va, ça bouge, non? La pêche ce matin, que Dieu te garde, Dieu te protège. Salut, salut, salut à tout le monde. Connectez-vous rapidement. On va aller rapidement, on va aller très vite. Kone Koroben Saint-Just, sois salué là-bas depuis ta position, mon frère. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez partout, dans tous les inbox, dans tous les forums. On va vous faire un point rapide de la situation. Vous savez, nous fonctionnons. Ouais, ex-combattant, de ces cool, c'est comme à mon frère, mon partenaire, à moi seul. Je vois que des jours là, tu frappes souvent, tu framponnes de manière désordonnée. Mamadou Dao, sois salué. Doumia Abdoulkarim, mon fils depuis Paris, mon petit-fils. Mon fiston Doumia Abdul Karim, sois salué depuis ta position. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix à Paris. Il y a un seul paix à Paris. Et le seul paix à Paris, c'est Doumia Abdul Karim. Il n'y a pas de. C'est un vrai bluffeur, un vrai sapeur. J'attends que tu envoies ma lettre d'invitation. C'est ça que j'attends pour venir. Voilà, ma lettre d'invitation, j'attends ça. Et puis je rentre là-bas. C'est important. Alors, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo dans tous les groupes. Kofi Amon Youssouf, sois salué. Envoyez la vidéo dans tous les forums, envoyez la vidéo dans tous les inbox, envoyez la vidéo partout, partout, partout. Faites le maximum de partage parce que c'est important. DSK Diakité, c'est comme mon champion. Ça peut aller. Alors, ce matin, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Sira Kadiatou, c'est comme ma soeur. Ça va, non? Abou Fofana, Diarra Seriba, Ali Koul, c'est super. Issa Kone, soyez salués. Bala Sangaré, c'est comme mon frère. Traoré Adama, tout le monde, recevez les salutations du Dinafarala. Oui, imam, sois salué depuis ta position. Recevez les salutations du Dinafarala, recevez les salutations. Malone J, c'est comment mon frère? Actuellement là, c'est chaud. Actuellement là, c'est chaud. Et c'est pourquoi ton frère, tu ne me vois pas trop, je ne suis pas trop disponible. Sinon, c'est la famille, tu connais. Tu sais, et puis je sais. Ça ne va pas quelque part. Aïcha Fanny Cissé, sois salué. Voilà. Salut tout le monde, salut à tout le monde. Adomania de France, reçois les salutations de ton frère. Issa Kona, sois salué depuis ta position. Aboulaye Zena, Zeba, sois salué. C'est de ça qu'il s'agit. Chef régisseur, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo dans tous les groupes. Envoyez la vidéo dans tous les inbox. Et je veux d'abord vous rassurer. Et ça, ce n'est pas un débat. Ça, ce n'est pas négociable. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit. Je veux vous rassurer. Hein, Carlos Omo, le champion, le guerrier depuis l'Italie, big up à toi, franchement champion. Alors, rassurez tous les Ivoiriens, rassurez tous les Ivoiriens du monde entier, rassurez ceux qui nous appellent depuis quelques jours. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes devenus comme. Comment je vais dire ça? Nous sommes devenus comme. Nous vivons pour satisfaire, pour informer, mais aussi pour donner la bonne information à ceux qui nous suivent, qui êtes vous les abonnés, vous les followers. Nous sommes là pour vous. Nous travaillons en réalité pour vous. Et donc, quand il y a une situation qu'on appelle, on nous appelle, et automatiquement, si on reçoit un appel, deux, trois appels pour le même cas, on se dit la meilleure manière de répondre à tout le monde, de dénoncer sa part de vérité sur une situation pour rassurer ou éclaircir. Parce qu'on a ce qu'on appelle entre nous et nos followers, nos abonnés, il y a un contrat de vérité qui existe entre nous. Il y a un contrat de vérité. Il y a des choses qu'on s'est dit. Et on s'est dit, entre nous et nos followers, on ne doit jamais se mentir. Jacques Abinan, le fils de mon boss, sois salué depuis ta position. Alors, quand le fils de ton patron vient te voir ton travail, c'est que c'est ton patron même qui regarde ton travail. Voilà. Donc, vieux père Jacques, sois salué depuis ta position. Et puis, sois serein, grand frère. On est sur le terrain, on fait le travail. Sois serein. Voilà. Dans la région de l'Indre du Diablo, le travail s'est fait propre, propre. Et puis, c'est tranquille, quoi. C'est tranquille. Alors, soyez salués, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo dans tous les forums, envoyez la vidéo dans tous les inbox. Je vous cause ce matin depuis ma région, la région de l'Indéné-Djouabla. Je suis actuellement à Bangourou.
Je suis arrivé depuis 3 jours, je suis à Bangourou, parce que nous sommes avec le coordinateur régional du RHDP de la région de l'Enero-Diablin, le ministre Abinan Kwaku Pascal. Nous sommes à pied d'eau pour organiser, après le lancement officiel de la campagne, ici dans la région, ici à Bangourou, qui s'est déroulé à la place de la solidarité, en présence du coordinateur régional, le ministre Abinan Kwaku Pascal, président du conseil régional, en présence du ministre de l'administration et de la modernisation de l'administration, M. Roger Adom, en présence du départemental Connect Kablan. Ouais, Mariam Diabaté, c'est comme à mon cœur. Hein? Ça a cours de temps, on veut me frapper, on veut me tuer, mais il ne laisse pas. Il faut leur dire que je ne laisse pas, ils n'ont qu'à se préparer. En tout cas, tout s'est bien passé. Nos aînés, nos grands frères étaient là et ce fut une très belle cérémonie. Bawa Kara, sois salué depuis ta position. Salut Koulibaly, mes respects. Traoré, sois salué. Youssouf Koroma, Moussa Bamba, soyez salués les gars. Olivia Wishper, la fille de Koulia. La fille de Koulia. Nassé Sissé, reçois les salutations de Dina Farala. Il n'y a pas deux Dina Farala. Il y a un seul Dina Farala. Joël Camus, mon frère à moi. C'est mon frère, c'est la famille. Voilà, nous sommes de la même famille. Mais lui et moi, on n'est pas du même bord politique. Voilà, on est de la même famille, mais on n'est pas du même bord politique. Mais est-ce que je peux renier mon frère pour la politique? Non. Donc, on est frères, c'est la même famille, mais on n'est pas d'accord sur les sujets de débat politique. Donc, je respecte ça. C'est important que je puisse respecter sa vision politique et sa manière de voir les choses. Ça, c'est important. Mais ça ne met pas en cause notre fraternité. Nulle part. Parce que ce qui nous lie est plus fort que ça. Voilà, c'est plus fort que ça. Alors, on va avancer rapidement. Je vais vous faire le point de la situation. Alors, j'ai dit que je suis dans ma région natale, la région de l'Indéné-Joablin, pour... C'est comme mon frère Fof, soit salué depuis ta position. Le Seri Soumaoro, soit salué. Mathurin Kwamebi, ZDS Kader, connectez-vous et partagez la vidéo. Faites monter le mercure rapidement, on va avancer. Je suis dans ma région d'origine pour préparer l'arrivée ici du président de la République, notre candidat, en la personne du docteur Alassane Dramane Ouattara. Et nous avons reçu instruction ferme de notre coordinateur régional pour mettre tout en œuvre pour que ce grand meeting, ce grand moment de rassemblement, ce grand moment pour célébrer le développement, pour célébrer la stabilité, la paix dans notre région, pour célébrer le travail bien fait, pour être reconnaissant envers celui-là même qui a sorti notre région, je veux dire, quoi? De combien d'années de léthargie? Depuis des années, il se rend dans, chez nous, cette fois-ci, dans un cadre purement politique. Il se rend chez nous, dans notre région, dans un cadre pour venir, pas annoncer, venir dire encore ce qu'il prépare. Oui, mon fils, si c'est Mamadou, soit salué. Je n'ai rien reçu. Et tant que je ne reçois rien, je suis là, j'attends. C'est comme ça, je suis un homme de principe, je suis un homme de valeur. Oui, ça, tu le sais. Voilà, dès que je reçois, je bouge. Voilà, donc la balle est dans ton camp. Donc, nous sommes en train de préparer cela. Nous sommes en train de préparer l'arrivée du candidat Alassane Dramane Ouattara dans la région de l'Indéné-Diablin. Et ça sera un grand meeting. Un grand meeting là où toute la zone de, je vais dire, Bongouanou, tout le monde, tout le Grand Est sera rassemblé autour du président, du candidat Alassane Dramane Ouattara. Et ça sera ce jeudi. Ce jeudi 22, ça va déménager. L'objectif pour nous, c'est de frapper fort. L'objectif pour le RHDP de la région de l'Indéné-Diablin, de toutes les régions d'en face, d'à côté, c'est de frapper fort. C'est d'envoyer un message fort. C'est de dire, aujourd'hui, là, il faudra compter avec le RHDP dans la région de l'Indéné-Diablin. Il faudra compter avec les cadres de la région de l'Indéné-Diablin. Il faudra compter avec tout ce qui est entrepris depuis des années par nos aînés qui ont très tôt compris que ce qui devait arranger, ce qui devait stabiliser, ce qui devait développer le candidat, l'homme qui avait la capacité, la carrure, les relations nécessaires pour développer notre région, n'est d'autre que le président Alassane Ouattara. Et ça, nous l'avons compris depuis longtemps, nous l'avons compris depuis des années. La politique, là, ce n'est pas une église. Chers frères et sœurs, la politique, ce n'est pas une église. La politique, ce n'est pas les émotions. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et nous, nos aînés nous ont dit que celui actuellement qui peut et qui peut faire de grandes choses pour notre région,
la région de l'Ndoye-Jablé qui peut développer, celui qui peut nous envoyer de l'eau, du courant, qui peut envoyer la stabilité, les collèges. Ils nous ont dit, c'est le docteur Alassane Ouattara. Et nous l'avons suivi depuis 2011. Et aujourd'hui, on se rend compte que nos aînés avaient raison. On se rend compte que ceux qui se sont trompés, ceux qui hésitaient auparavant, tout le monde aujourd'hui a compris que Alassane Ouattara, non seulement il nous promet, et ce qu'il nous promet, il le fait. Nous sommes engagés en politique. Nous nous exposons. Nous prenons des risques. Nous crions haut et fort notre amour, notre attachement pour Alassane Ouattara. Et vous remarquez qu'en tout temps, on est déchaîné, on est convaincu. C'est parce que nous-mêmes, d'abord chez nous, moi, tu ne peux pas me dire aujourd'hui, vous suivez Alassane Ouattara, il fait quoi pour toi? Parce que c'est comme ça qu'on pose la question en réalité. Quand quelqu'un t'appelle, il ne te demande pas, tu suis Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait pour tes parents? Tu suis Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait pour ton village? Tu suis Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait pour ta région? Tu suis Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait pour ton village? Qu'est-ce qu'il fait pour tes frères, pour tes soeurs? Les gens ne te posent pas cette question. Hein? La question qu'on te pose, tu as passé des années, tu défends le régime d'Alassane Ouattara, tu es sur la toile, tu t'exposes. Il y en a même qui te disent, non, si le régime change, il faut quitter le pays. Tu vas déménager, toi et ta famille. Tous ces gens, on te le dit. Mais ils te posent la question, qu'est-ce que toi, tu gagnes dans ça? C'est le propre de l'homme, l'être humain, qui s'attache, qui regarde seulement ce qu'il voit à ses yeux. Mais nous ne sommes pas rentrés en politique pour chercher à savoir ce que nous devons gagner. Toute action que vous allez poser dans la vie, peu importe ce que vous allez faire dans la vie, commencez toujours par vous demander l'action que je pose, ce que je fais, le travail que je fais, le business que je vais créer, la collaboration que je vais établir. Et je ne sais pas, toute action que vous voulez faire dans la vie, il faut plutôt se poser la question, qu'est-ce que les autres gagnent dans ce que je fais? Vous voyez la différence entre les individus dans le monde? C'est ça le vrai problème dans le monde. Et c'est ce que le vrai problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons deux camps de politiciens. Nous avons des politiciens qui se disent entre eux-mêmes et qui se disent ouvertement devant tout le monde. Dans ce qu'ils sont en train de faire là, moi je gagne quoi? En réalité, si vous voyez qu'Henri Kouna Bédier aujourd'hui est debout, vous voyez que Laurent Gbagbo, avec tous ses problèmes, est encore dans des émotions, encore dans des schémas. Si vous voyez que des personnes comme qui encore, qui peut citer, et Affine Guessin, sont encore dans certains débats, le vrai problème, c'est qu'ils se posent la question, qu'est-ce qu'eux, ils gagnent? Vous voyez un peu le problème? Le vrai problème, la Côte d'Ivoire est stable, certes. La région, ma région est développée, certes. Bongouanou n'a plus rien à envier à qui que ce soit. Tout Bongouanou est bitumé. Tout Mbato est bitumé. Tout Ouara est en développement, c'est vrai. Mais le problème qu'Affine Guessin, lui, se pose, lui, en tant que président du FPI, lui, il gagne quoi? Le problème qu'Henri Kouna Bédié se pose, la Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire est stable. Mais lui, Bédié, là, Daoukourou est développé. Deux fois Daoukourou. La Daoukourou, elle est fait tricolore un peu partout. Mais lui, Bédié, il gagne quoi dans cette stabilité, dans ce développement? C'est pourquoi les gens, de manière bête et de manière péjorative, te posent toujours la question, quand ils te croisent, mon frère, toi-même, là, tu te bats pour eux, là. Tu te sacrifies pour le pouvoir, là. Dis-moi ce que tu gagnes. Tu gagnes quoi? Je gagne beaucoup. Parce que aujourd'hui, j'ai des amis partout dans le monde. Partout dans le monde. J'ai des amis partout dans tous les ministères. J'ai des amis partout dans tous les ministères. J'ai des amis même dans tous les pays du monde. Je reçois des appels, des gens qui m'appellent même. C'est la première fois depuis que je suis né. Quand mon papa m'a mis à l'école jusqu'à ce qu'il devienne ce que je suis aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends le nom de ce pays-là. C'est la première fois. La dernière fois, je savais qu'il y avait un pays qui existe qu'on appelle l'Irlande. Ça, je sais qu'il y a l'Irlande. J'ai déjà entendu parler de l'Irlande du Nord, une fois en passant. Mais je ne savais pas qu'il y avait aussi l'Irlande du Sud. Ma grande soeur chante tous en tous les soirs, salué depuis ta position. Sois salué. Je ne savais pas qu'il y avait l'Irlande du Sud qui existait.
Mais c'est d'appel. Grâce, je gagne beaucoup, champion. Je gagne beaucoup. Et ma satisfaction, je la tire des réalisations du président de la République dans ma région. Quand je vois le nombre d'écoles, de réalisations, quand je vois les hôpitaux, quand je vois les salles de classe, quand je vois le bitumage, quand je vois l'eau, quand je vois l'électricité dans les quartiers les plus reculés, quand je vois le bonheur des populations, quand je vois le bonheur des habitants de la région de l'Indre-et-Loire, quand je vois comment est-ce que la vie des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, l'impact que les réalisations sont en train d'avoir, le changement notable que ça a dans la vie des Ivoiriens, sur tout l'étendue du territoire, je me dis, mais je gagne beaucoup. Je gagne beaucoup. C'est parce qu'on a toujours fonctionné. On a appris aux jeunes Ivoiriens à penser toujours, qu'est-ce que moi je gagne? C'est pour cela que nous sommes à ce stade-là aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez des jeunes dans les d'Angélé, ce sont au village. Il n'y a pas eu de bitume depuis près de 40 ans. Depuis, ils sont là, ils n'ont jamais vu de bitume dans les villages, à Bongwanou. Mais si vous voyez que ces jeunes-là, ils voient le changement notable. Ils voient tout ce qui se fait, le développement. Mais ils ont encore le courage de couper les routes. Et puis d'aller mettre sur le bitume, comment on appelle, des arbres pour dire qu'ils vont barrer la route parce qu'ils sont mécontents. C'est parce qu'on va vers eux avec ce qu'on appelle qu'est-ce que toi tu gagnes. Ils sont venus bitumer Bongwanou. Ils ont envoyé l'eau à Bongwanou. Ils ont envoyé courant à Bongwanou. Ils ont envoyé stabilité, la paix, l'électricité à Bongwanou. C'est vrai. Mbato est bitumé. C'est vrai, notre région est bitumée. C'est vrai, c'est ceci, cela. Mais toi-même, personnellement, Kouadio, toi-même personnellement, Kouna, qu'est-ce que toi tu gagnes? C'est sûr, qu'est-ce que toi tu gagnes là? Les politiciens aujourd'hui véreux, les politiciens mafieux que vous connaissez là, c'est sûr, ce petit quelque chose là, il se base pour aller anarquer nos frères, pour aller anarquer les jeunes dans les quartiers, pour aller anarquer les jeunes dans Yopougon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Grand frère Hassan Sanogo, sois salé depuis ta position. C'est ce qu'ils savent faire. Ils savent les demander. Oui, on sait que c'est développé. On sait qu'il y a université. On sait qu'il y a route. On sait qu'il y a pont. On sait qu'il y a des grands marchés. On sait qu'il y a des grandes infrastructures dans le monde aujourd'hui. On sait que la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire est rehaussée. On le sait. On sait. Mais mon petit, toujours tu cries sur les réseaux. Tu fais les postes pour Alassane Ouattara. Tu soutiens le régime. Tu prends des risques. Tu t'exposes trop. Mais champion, qu'est-ce que toi-même tu gagnes? Quand vous voyez qu'un jeune comme toi, qui a ton âge, qui est promotionnel à toi, regarde dans un combat que tu mènes ce que toi tu dois manger, ce que toi tu dois avoir, ce que lui doit gagner, vous comprenez à quel niveau ses aînés, ceux qui le suivent, ceux qui les influencent. Vous comprenez à quel niveau on l'a rabaissé et on l'a ramené. Dans le monde, il y a, je l'ai dit, ceux, plusieurs types d'hommes politiques dans notre pays aujourd'hui. Il y a ceux qui se posent la question, dans les actes que je pose là, qu'est-ce que les Ivoiriens gagnent dans les actions que je pose? Allez-y me poser la question, Henri Konan Bédié. Allez-y poser la question à Laurent Gbagbo. Allez-y poser la question à Blaise Goudé-Charles. Allez-y poser la question à qui encore je vais ça solo qui va fourrer Guillaume. Dans lui, sa candidature, il veut être le président de la Côte d'Ivoire. Dans présidence de Béziers que lui veut être là. Dans présidence d'Afrique que lui veut être là. Dans présidence de qui encore qu'il veut être là. Ils n'ont qu'à me dire ce que les Ivoiriens gagnent dans eux, leurs projets personnels, leurs ambitions personnelles. Qui? Je me dis, ma foi, avoir des ambitions dans la vie, ce n'est pas un problème. C'est noble. Chacun de nous doit être ambitieux. Ce n'est pas un problème. Mais quand dans tes ambitions, on n'a que. Oui, Akissi Eba, la grande soeur, sois salue depuis ta position. Chers frères et soeurs, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, faites passer le message. Le jeune de Bongwanou a besoin d'entendre ce message-là. Parce que souvent, quand le message vient de quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas les mêmes réalités que lui, de quelqu'un qui vit en France, aux États-Unis, s'est dit, bon, ok, lui, il est déjà à un certain niveau, il est aux États-Unis, il ne peut pas comprendre mon problème. Quand c'est quelqu'un qui vit à New York, il dit, il a ses problèmes, en France, à Paris. Mais quand il sait que c'est quelqu'un qui a le même soleil que lui ici, quelqu'un qui a les mêmes réalités que lui, quelqu'un qui a les mêmes problèmes que lui, et qui lui dit, aujourd'hui, là, nous devons suivre des hommes politiques
qui voyait l'intérêt commun de la nation, qui a un projet très clair pour la jeunesse ivoirienne, qui savent où ils envoient la jeunesse, qui savent où ils nous amènent, qui connaissent les problèmes des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, pour ne pas oublier, parce que là aussi, ça fait que souvent j'oublie et puis ça crée des problèmes. Souvent j'oublie et puis ça crée des problèmes. Les gens me disent, mais Ezin, tu as oublié, la dernière fois là, tu n'as pas parlé, donc ça fait que c'est un problème, on ne sait pas. Alors, je voudrais rassurer tout le monde, que vu notre sérieux, vous, le fait que nous avons quand même notre manière typique de faire passer le message, il y a des cabinets, hein, des cabinets, un cabinet bah, qui est dans le domaine de la construction qui nous a contactés. Et qui nous a contactés pour nous demander de mettre des produits pour être un peu comme l'image de ce cabinet-là. Et donc nous sommes devenus des commerciaux dans cette compagnie, cette boîte-là. Hein? De cette boîte-là. Et nous travaillons avec cette boîte. Aujourd'hui, Dieu merci, on a commencé et nous avons commencé à faire la promotion des terrains, des maisons de cette boîte. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Beaucoup de personnes nous appellent, beaucoup de personnes nous contactent. Ils connaissent notre sensibilité politique. Mais ils se disent qu'un jeune qui veut travailler, qui veut bosser dans toujours les mêmes domaines qu'il fait, et beaucoup nous appellent partout dans le monde entier pour ça. Et donc, nous avons dit pour tous ceux qui veulent des terrains, partout, dans tout Abidjan, tu veux terrain. C'est-à-dire tu es à l'extérieur, tu es à l'intérieur, tu veux atterrir à Abidjan. Il faut appeler. Il y a un seul numéro que tu appelles pour ça. Il n'y a pas de débat. Ça ne chauffe pas. Quand tu as appelé, c'est en 2 semaines, tu as ton terrain. Quand il dit 2 semaines, tu as ton terrain le même jour, après-demain. Mais le temps de fournir les papiers, de te tout boucler, 2 semaines, tu commences à faire ton travail et puis on avance. Dans tout Abidjan. Je dis bien dans tout Abidjan. Même à l'intérieur, on a commencé à vendre. Parce qu'on est sérieux dans ce qu'on fait. Parce qu'on s'est dit, pour un jeune Ivoirien, pour un jeune qui est en Côte d'Ivoire, pour un jeune ambitieux, il faut travailler. Parce que si tu as le temps d'aller, quelqu'un qui est en train de travailler, qui a des projets, qui a une vision, on ne peut pas aller couper bois pour mettre sur route. On ne peut pas aller offrir tronçonneuse à des jeunes dans le village pour leur couper la route. Vous allez devenir des braqueurs. Non, nous, on nous apprend à travailler. On nous apprend à bosser. Parce que tous nos modèles, tous nos aînés, là, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a un seul contact pour le faire, pour que vous avez besoin de nous, c'est le 07 39 09 09. Je vais dire ça rapidement pour ne pas oublier, parce que la dernière fois j'ai oublié. 07 39 09 09. Moi, ça, c'est mon contact direct. 07 39 09 09. C'est un numéro WhatsApp où vous ajoutez le 225 07 39. Bref, c'était pour faire passer le message rapidement pour tous ceux qui ont besoin de terrain, partout dans Abidjan et même à l'intérieur du pays. Vous avez besoin de résidence, vous avez des passages, vous avez besoin d'une voiture. En tout cas, appelez-nous. Nous, dans l'émergence de Ouattara, nous, on mange aussi à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si on tire, si on commence à barrer les routes, s'il y a un café, vous êtes sûr que moi, mon business peut prospérer. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter le désordre. Mais celui qui a accouché dans la maison de son papa, jusqu'à aujourd'hui, il a 42 ans, il donne la salle de son papa. Si on lui dit à arbre, allez faire tomber sur le goudron. Lui, il s'en fait tomber arbre sur le goudron parce que lui-même, il a accouché dans le salon. Il n'a aucune charge, il n'a aucune vision. Il n'a aucune charge, il n'a aucune vision. On ne le connaît pas, il ne connaît pas. Il ne paye pas impôt, impôt ne le connaît pas. Le pays avance, le pays recule, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas sa tasse de thé. Ce n'est pas sa tasse de thé. Sinon, quelqu'un qui se lève matin pour aller au travail, qui rentre à 19h lundi, matin, 19h lundi, matin, week-end là, est-ce qu'il peut prendre un week-end pour aller couper arbre, monsieur Goudron? De vous à moi. Que Dieu nous aide, que Dieu nous permette d'avancer. Nous allons aller continuer dans le vif du sujet, aller sur l'actualité politique. Nous allons faire le point. Chers frères et sœurs, connectez-vous. Et partager la vidéo. Nous sommes à. Je regarde le temps, hein, parce que je me suis donné un temps. On est en train de préparer beaucoup de choses. On va pas trop durer ici. Mais j'ai dit de partager la vidéo. Nous sommes à 23 minutes, 23 secondes de notre direct. Nous sommes à 500 personnes. 600 personnes sur le direct. Il faut qu'on double. Donc, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que. Il faut partager la vidéo à tout le monde. On doit doubler maintenant, là. On doit passer à 1000. Passer à 1000, c'est un message. Ça dit que c'est un message. Nous sommes en train de faire une sensibilisation. Nous sommes dans une guerre de communication. Nous sommes dans une guerre de communication. Il y a des gens qui se lèvent matin. Ils ont un seul objectif, saper le moral des Ivoiriens qui vivent à l'étranger.
décourager au maximum la communauté nationale comme internationale. Faire croire que la Côte d'Ivoire est dans le chaos. Faire croire que la Côte d'Ivoire coule directement, tout droit dans le gouffre. Faire croire que la jeunesse ivoirienne, là, ça dit que nous, on ne réfléchit pas. On a oublié. Et puis nous autres, là, on est là, on dit non. Nous, on préfère des choses concrètes. Le gouvernement du docteur Hassan Ouattara, le parti du docteur Hassan Ouattara, le RADP nous rassure. Il nous donne une visibilité claire sur l'avenir, chers frères et sœurs. Ils nous donnent une visibilité claire sur l'avenir. Ils nous disent, voilà là où on veut que vous soyez. Voilà là où on veut arriver. On sait que ça ne sera pas facile. Mais voilà où on veut partir. Aucun parti politique ici en Côte d'Ivoire ne donne une visibilité, ne donne encore actuellement où je vous parle là, une assurance à la population, à la jeunesse ivoirienne. Aucun parti n'a un programme clair, un programme ambitieux, comme ce grand parti que j'ai appelé ici le RHDP et ses dirigeants. Comment vous imaginez qu'un grand parti qui veut diriger la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire diriger, un individu ne peut pas diriger son foyer s'il n'a pas de l'influence sur son couple. Un individu ne peut pas diriger une entreprise s'il n'a pas l'influence sur l'entreprise. Un individu ne peut pas diriger un projet s'il ne maîtrise pas son projet. Des gens qui rassemblent une population dans un stade et puis on n'a pas encore fini le discours. Mais mieux, le discours là, ça dit les gens sont passés. Et puis c'est Henri Konan Bédié, l'ancien président de la République de mon pays, l'homme le plus influent, l'homme qui a un bastion, qui a une base, ceux qui font déménager les gens d'Abidjan, ceux à cause de qui on est en train de faire des communautés internationales. CDO est arrivé hier pour dire que Nigeria dit que Willy, il n'a pas encore parlé. Chers frères, partagez la vidéo. Envoyez ça dans tous les groupes, dans tous les forums, dans tous les inbox. Envoyez la vidéo à Soro Kibafori Guillaume. Envoyez la vidéo à Blaise Goudéchal. Envoyez la vidéo à Laurent Gbagbo lui-même. Envoyez la vidéo à Soro. Envoyez la vidéo à Amiral Blendé sous le de Paris. Envoyez la vidéo. Dites-le que nous, on est sortis de la fiction. Jeunesse ivoirienne est sortie de la fiction. On est sortis des émotions. On est sortis des promesses en un point fini. Et nous avons embrassé, nous avons décidé de saisir la main du développement, de la stabilité et de la paix. Nous voulons ce qui est réel. Nous voulons ce qui est réel. Quelqu'un qui est candidat à une élection présidentielle, quelqu'un qui a de l'influence sur ses militants, sur sa base, ne peut pas venir dans un meeting, n'a pas encore pris la parole, et puis les militants vont décider de sortir de du stade Félix Houphouët-Boigny. J'ai assisté plusieurs fois à des meetings. Mais les gens sont accrochés au micro, accrochés, luttent les salles pour attendre. Parce que Henri Konan Bédié, vous savez pourquoi ils ont mis Henri Konan Bédié en dernière position? Parce que pour vous, Henri Konan Bédié, c'est la vedette. C'est la vedette. Henri Konan Bédié, c'est lui qui pèse fort. Si vous voyez qu'ils sont allés prendre Henri Konan Bédié dans sa vieillesse, le joint à leurs projets de déstabilisation, leurs projets de coup d'État. C'est pour donner de l'image, c'est pour donner de l'importance, c'est pour donner de la carrure, c'est pour donner de la contenance à leur projet. Donc ils vont chercher quelqu'un qui du point de vue communication est connu, du point de vue international. Et le nom d'Henri Konan Bédié qui rejoint les luttes, qui est une lutte en réalité habillée par Soro Kibafori Guillaume. Il y a une seule personne qui rêve derrière tout ce qui s'est fait là. Il y a une seule personne qui rêve. C'est le rêve d'une seule personne. C'est les ambitions d'une seule personne. C'est le plan d'une seule personne à la personne du rebelle Soro Kibafori Guillaume. Il y a une seule personne qui a fait le plan. Il y a une seule personne qui s'est assise, qui a réfléchi, qui a analysé, qui a sorti le plan qu'il faut pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pour déstabiliser le régime d'Hassan Ouattara. Pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Pour mettre la Côte d'Ivoire KO. Et dit après que je vous avais dit, il y a une seule personne. Tout le reste sont des acteurs. Allô? Je suis en direct là, il te rappelle. Tout le reste, c'est des acteurs et des actrices. Chacun joue son rôle.
C'est-à-dire celui qui a assis, qui a organisé l'opposition, qui leur a dit on fait ça, on fait ça, on fait ça, on part de tel plan A pour arriver au plan B. Et de là, je vous amène à ça. C'est moi qui ai l'expérience, c'est moi qui les connais, c'est moi, Soro Kibafouri Guillaume. J'ai près de 40% déjà du RDL là même avec moi. En plus du RHDP là, j'ai 40% déjà. Donc comme moi, Soro, les gens du RHDP là, ils m'aiment déjà parce qu'ils savent ce que j'ai fait. Et ça, ils m'ont aimé parce qu'ils savent avec Ouattara. J'ai déjà 40% de la base du RDL. Du RHDP. Et donc, comme j'ai dit à 40%, toi, Harry Kouna Bézier, voilà ce que tu vas faire. Tu fais ça, tu fais ça, tu décrédibilises davantage. Hein? Le pouvoir du RHDP, tu décrédibilises davantage le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et ensuite, nous, on va attaquer le volet militaire. On va attaquer le volet militaire. Moi, j'ai des hommes, j'ai des soldats. Comme il a fait la dernière fois, quand il a blagué nos militants de sortir du Golfe pour aller prendre la RTI et qu'ils ont été tous tués. Il n'a ramé personne. C'est dans sa tête, dans la tête de Soro Kibafouri Guillaume qu'il est militaire. Dans lui, sa tête, il est stratège. C'est dans lui, sur sa tête, là, il est fort. C'est dans lui, sur sa tête, il peut renverser même les États-Unis d'Amérique. Un individu ambitieux. Un individu qui, vraiment, je ne sais même pas s'il a encore toutes ses facultés. Je pèse bien mes mots. Donc, quand on se disperse, quand on se disperse, c'est compliqué. Quand on se disperse, c'est compliqué. On ne va pas se disperser. On connaît l'adversaire. On sait à qui on a affaire. Et puis on sait là où on va. Vous comprenez? On sait où on va. Le maître d'ouvrage, le chef de tout ce projet de déstabilisation, des jeunes qui marchent, des jeunes qui brûlent arbres, des jeunes qui font ceci, cela, des choses qui, en réalité, n'auront aucun impact. Si la tenue des élections, aucun. Plus les jours approchent, plus ils se rendent compte que leurs plans, leurs desseins, ce qu'ils ont souhaité là, ça ne se passe pas. Ça ne sera pas ce qu'ils veulent. Et ça les rend plus nerveux. Ils ont souhaité le mal. Ils veulent voir la Côte d'Ivoire dans le sang. Ils veulent voir les jeunes s'attaquer, ces femmes, ces hommes s'attaquer. Mais de jour en jour, il se rend compte que tous les jours nous amènent vers, inévitablement vers les élections du 31 octobre. Ils sont nerveux. C'est eux qui s'arrêtent, ils envoient des messages partout dans le monde. Non, il n'y aura pas élection. Nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, partout en Côte d'Ivoire, dans le monde, un peu qui ont les enfants ici, qui ont la famille, sont inquiets. Parce que c'est eux qui vont balancer des messages sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Pourtant, on est ici sur le terrain, ici on se voit. Vous rasez les murs. Vous rasez les murs. Vous avez tous les problèmes. Vous rasez les murs. Mais on ne veut pas tomber dans votre piège. On ne veut pas en aucun cas tomber dans votre piège. Nous, on va aller aux élections. Nous sommes en train de protéger le processus d'aller aux élections le 31 octobre. C'est le seul objectif qu'on s'est fixé actuellement. On a distribué des cartes d'électeurs. On est en train de protéger ça. Pour nous, actuellement, le plus important, c'est ça. Pour nous, c'est le plus important. Le reste, ce n'est pas notre problème. Quand on coupe les arbres, ça et là, on va aller enlever les arbres le lendemain. Quand on fait tomber, on va aller tranquillement. On sait où on vous amène. Est-ce que vous comprenez? Ne voyez pas dans ce qui est fait par le gouvernement, par le pouvoir, par le président de la République, par le RHDP comme une faiblesse. Non. C'est loin de là. Bamba Moussa, sois salué, mon frère de Danané. C'est loin de là. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une complicité aussi. Ce n'est pas une incapacité aussi. C'est juste une stratégie. C'est juste une stratégie. C'est juste une stratégie. Sinon là, ceux-mêmes qui sont en train de couper arbre, on se connaît. Sinon ceux qui le font, on se connaît. On se connaît, ils savent, on sait qu'on se connaît. C'est à la minute. C'est à la minute. Attends, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin que le ministre Touré Mamadou vienne faire ce que nous militants doivent faire. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Nous, nous sommes des militants et chacun joue son rôle. Et à tous les niveaux, chacun joue son rôle. Chers frères et sœurs, soyez tranquilles. Soyez sereins.
et préparez-vous parce qu'on va aller le 31. Ça ne peut pas. C'est quoi une goutte d'eau? Mon Koro, Koro Lako, sois salué depuis ta position, Koro. Sois salué depuis ta position. Reçois les salutations de ton petit frère. Papis Kader, c'est de ça qu'il s'agit, Papis. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Donc, c'est purement stratégique. C'est purement stratégique. On dit, quelqu'un te dit, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas avoir lieu. Il dit, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas avoir lieu. Maison, ça là, tu ne pourras pas construire. Dans ça, il est en train de dire, tu as eu l'argent. Il répète, la maison, tu ne pourras pas construire. Dans ça là, tu as payé terrain. Dans ça, tu payes ton terrain. Au départ, il a dit d'abord que toi, tu ne pourras jamais construire une maison dans ta vie. Petit à petit, tu as eu un travail. Il dit, oh, laisse-le. Il a eu travail et puis c'est quoi? C'est ça qui est quoi? Il est resté dans ça qui est quoi? Tu as payé ton terrain. Il dit, oh, laisse-le. Il ne peut rien faire. Il a payé terrain. On va voir s'il peut construire ici. On va voir s'il peut construire ici. C'est payé terrain là qui est quoi? Nous tous, on paye terrain. Nous tous, on paye terrain. Et puis, il voit que tu commences à construire. Je vous ai dit quoi au départ? Il a dit que toi, tu ne seras jamais rien dans la vie. Tu as eu travail. Il dit, tu ne seras jamais rien. Tu as payé terrain. Il dit, tu ne seras jamais rien. Tu as commencé à construire. Les gens vont encore lui demander. Tu as dit que petit, là, ne sera jamais rien. Il est en train de construire. Il dit, je vous dis. Je répète. Maison qu'il est en train de construire, là. Il va construire, mais il ne va jamais dormir dedans. Ça, je vous le dis. Moi, je suis un garçon. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu changement dans la parole? Est-ce que vous avez vu le changement notable qui s'est passé dans la parole? Il dit, tu ne seras rien. Tu as eu travail. Il dit, tu ne pourras rien faire. Tu as payé terrain, soit lui dit. Il dit, il ne pourra pas construire. Quand on paye une maison, c'est pour construire. Lui, il peut faire quoi? Il n'est rien. Tant que lui, il est sur la terre ici, là, toi, tu peux damer de mécanique. J'envoie aussi à ses followers, ses abonnés, que quand quelqu'un vous a dit que vous ne serez jamais rien dans votre vie, quand quelqu'un vous a dit que vous ne pourriez jamais, quand quelqu'un vous a dit que vous n'allez jamais atteindre l'objectif que vous êtes fixé, quand quelqu'un vous a dit que le rêve que vous avez prévu réaliser, vous n'allez jamais le réaliser, il y a ce que lui dit de vous. Il y a l'image qu'il envoie de vous. Il y a ce que lui pense de vous. Il y a le destin que lui il a fixé pour vous. Et puis, il y a ce qu'on appelle ce que vous-même vous êtes, votre capacité à réussir, votre détermination à réussir, votre combat que vous menez à réussir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu dis, il ne pourra rien faire, il a fait. Il est en train de construire, mon grand frère. Docteur Bamourou Koulibaly, sois salué depuis ta position. Tous mes respects et toutes mes considérations. Voilà, ce monsieur m'apporte et m'a toujours apporté beaucoup. Voilà, c'est des personnes qui contribuent à ce que je suis en train de deviner aujourd'hui. C'est eux qui m'orientent, c'est eux qui me conseillent dans les tests. Voilà comment il faut faire. Voilà. En tout cas, c'est une bénédiction d'avoir ce genre de personnes, ce genre d'aînés là dans ta vie. C'est très important. Voilà, c'est très important. D'avoir des gens qui peuvent te regarder en face. Non, ça là, c'est pas bon. Non, ça, c'est comme ça. Non, voilà telle chose. Voilà telle situation. Les commentaires que j'ai fait souvent, les explications, c'est avec eux que je discute d'abord auparavant. Pour mieux comprendre et pour vous donner le meilleur de moi-même. Merci cher aîné. Et quand j'ai dit salut à Dr Koulibaly, c'est tout le groupe, c'est toute ma famille. Ils se reconnaissent, ils savent. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens disent qu'il n'aura pas élection. On a fait un enrôlement. Il dit, oh, laissez-les faire un enrôlement. Élection, mais on ne va pas faire. Carte d'identité. Il dit, oh, laissez-les faire carte d'identité là. Élection là, on ne va pas faire. On dit, on allait faire composition de CEI. Il dit, oh! Allez-y composer CEI là. Moi, vous fatiguez même. Vous vous fatiguez pourquoi? Composition de CEI quoi? Ils n'ont qu'à les composer. Élection là, on ne fait pas. CEI est fini. Dossier allé au conseil constitutionnel. Il dit, oh!
Laissez conseil constitutionnel là. Votre affaire de conseil constitutionnel, laissez ça. Nous, on n'est pas dans ce débat-là. Il n'y a pas élection. Conseil constitutionnel. Le jour où le conseil constitutionnel va donner son résultat là. Mais c'est là que vous allez voir ce qu'on va faire ici. Parce qu'on sait qu'ils vont rejeter notre dossier. On sait que le dossier de notre candidat sera récalé. Mais quand est le jour où ils vont refuser là, c'est là qu'ils vont voir ce qu'on va faire ici. Le conseil constitutionnel a donné le résultat. Ceux qui doivent être récalés ont été récalés. Ceux qui devaient être autorisés ont été autorisés. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Le ciel ne nous est pas tombé la tête. On dit non, laissez. Le conseil constitutionnel a fini de donner, non? Mais actuellement, là, c'est le 10-10-10. Le 10 octobre. Ah non. Le 10 octobre, on ne va pas laisser. Ce qu'on va les montrer le 10 octobre. Ce qui va se passer le 10 octobre. Non, le 10 là. Non, attention. Abidjan va prendre feu. Abidjan va griller. C'est nous, on est au contrôle. On va gérer. Aujourd'hui, on a le combien? 19 octobre. Élection, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Mais écoutez bien les dits de celui qui incarne l'espoir de l'opposition pour éviter les élections. Solo Kibafouri Guillaume, il envoie un message, il dit que le docteur Hassan Ouattara, candidat à sa prochaine succession, à Boaké, a dit que lui, Ouattara, s'il gagne les élections, c'est pour lui l'extrader, lui Solo l'extrader vers la Côte d'Ivoire et le mettre en prison. C'est ce que Ouattara a dit à Boaké. En fait, c'est dans ta tête, toi, Solo Kibafouri Guillaume, tu penses que tu es important. C'est dans ta tête là, dans ton imagination là, tu te mets au niveau d'Alassane Ouattara. C'est dans ta tête, ton imagination, dans tes vols que tu as fait pour devenir ce que tu es aujourd'hui, que tu penses que tu es au même niveau que Ouattara. Que tu penses que tu es le souci d'Alassane Ouattara. Que tu penses que tu es le souci du premier ministre Amadou Gon, Ahmed Bagayoko. C'est dans ta tête, tout est dans la tête des gens. C'est-à-dire, le problème c'est la tête des gens, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent. Vous avez prédit tout cela, que ça ne va pas se faire, ça s'est fait. Campagne, là, on ne va pas faire campagne. Campagne va aller où? Quelle campagne? Il n'y aura pas campagne ici. Et de quoi il parle? Quelle campagne? Oh, arrêtez ça. Campagne a débuté, top départ. Ça dit, ce qui me fait mal, je vous dis la vérité aujourd'hui, hein, ce qui m'a fait mal dans cette affaire de campagne là. Ça c'est une petite parenthèse, mais ça n'a qu'à rester entre nous. Il ne faut pas les boss du RADP vont entendre. Parce qu'ils entendent là, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est entre vous et moi. Vous savez, aujourd'hui, nos boss ont compris que pour la campagne, il n'y a pas d'adversité. Il n'y a pas de poids. Il n'y a personne. Ça y est, cette année, campagne là, il n'y a rien. KKB, c'est qui? Non, d'abord, KKB sur le passage, et puis on passe. C'est-à-dire, moi-même, moi seul, je vous parle aujourd'hui, là, moi seul, candidat contre KKB, j'ai battu KKB. KKB fait quoi? Argument contre argument, débat télévisé avec KKB, je le mets à terre. Ça, c'est pas un débat. Mais est-ce que vous savez que l'opposition m'a fait du mal, moi, Ezé? Et vous savez qu'Ari Konabedi? Et vous savez que Laurent Gbagbo? Est-ce que vous savez que Souro Kibafouri Guillaume? Est-ce que vous savez que le fait qu'ils ne sont pas candidats, là, moi, ils m'ont fait du mal? Je vous dis pourquoi j'ai mal. C'est-à-dire, nos leaders, là, les ministres, les cadres que vous voyez là, c'est dans l'adversité. Où ils pensent qu'ils peuvent perdre le pouvoir. Là. C'est là que nous, là, nous donnons l'argent beaucoup. Mais quand vous n'êtes pas allé aux élections, là, vous avez diminué mon quota. Donc quand je suis déchaîné contre toi, Harry Konabedi, là, en réalité, là, c'est ça qui est là. Mes cadres, là, ils savent qu'il n'y a rien même. Ils sont serrés. Donc ceux qui avaient prévu me donner peut-être 3 millions pour la campagne, 10 millions pour la campagne, ils disent petit, on prend 1 million, tu as des défauts là, ça. Ouais. Prends 1 million, tu as géré le mouvement. Tu as organisé le quartier et puis on va aller rapidement ou bien. Et soit peu. Vous prenez 1 million, tu as géré le mouvement et puis on va aller rapidement ou bien. Donc c'est à cause de toi, Bédier, tu as refusé d'être candidat là. Mon âge, ils ont coupé 110. On dit, mais on va prendre tout cet argent là pour lancer une campagne là, c'est pourquoi? Il n'y a rien. On va prendre, c'est pourquoi? En réalité, c'est ça. Chers frères et sœurs, c'est à cause de ça que le juge attrape Bédier. Il va me répondre. Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Le juge croise Bédier là. Je lui dis des mots. Je lui dis, ah, vieux père.
Dans ce que tu as refusé de partir, là, tu as gâté notre management. Hein? Parce que nous ne vivons pas là. Donc c'est quand il y a adversité, quand ils voient que c'est bizarre, là, c'est là qu'ils mettent le paquet. C'est là qu'ils mettent le paquet. Renseignez-vous sur le terrain s'il y a paquet. Renseignez-vous sur le terrain. Est-ce qu'il y a paquet sur le terrain? Ils vont vous dire. Demandez à tous les jeunes. Ils vont vous demander sur le terrain est-ce qu'il y a paquet. Qu'ils ont dit, ah, que cette année-là, avant il y en a, qu'on dit qu'il n'y a pas paquet cette année. Ils vont vous dire qu'il n'y a pas paquet cette année sur le terrain. Les décaissements qui étaient faits, quand il y a une campagne comme ça, là. Tiens, à Benyam Nambro, tiens où? À Benyam Nambro. Hein? Tout ce qui devait se faire, là. Allô? Je te rappelle tout à l'heure. Tous les décaissements qui devaient se faire là, ça n'a pas été fait. Et puis on est bloqué, et puis on est là. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas d'adversité. Nous, on va sur le terrain, on est dans les quartiers, on est dans les villages, on mobilise, mais on ne voit personne. C'est nous seuls, on est sur le terrain. C'est après, on apprend nos cacapiers ici à Divo. Cacapiers, les six. Donc, tchao, anana, moya, bara, tchao. Vous avez tout gâté. Donc, nous, notre combat même avec vous là, ça existe plusieurs plans. Notre combat avec vous là, ça existe plusieurs plans. Mais on laisse. On se dit, bon, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, il faut qu'on gagne les élections. Le plus important, c'est la stabilité. Le plus important, c'est la paix. Le plus important, c'est le développement. Le plus important, c'est de permettre de tout faire pour que le candidat du RADP gagne les élections présidentielles. Et puis, dans ça là encore, vous voulez chauffer notre guerre. Dans ça là encore, vous voulez chauffer notre guerre. On n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à se méfier. Chers frères et sœurs, le point de la situation actuellement en Côte d'Ivoire, je vous le dis et je vous le répète, il n'y aura pas report des élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Chers frères, partagez la vidéo au maximum. Il n'y aura pas de report des élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de report. C'est impossible. Il n'y aura même pas de report. Les élections auront bel et bien lieu le 31 octobre. Des gens sont en train de rêver. Des gens vont circuler des messages. Des gens sont en train de vous dire les choses contraires. Mais moi, Ezé, je vous dis, il y aura bel et bien les élections présidentielles le 31 octobre ici en Côte d'Ivoire. Vous devez gâter mon ami. Ces campagnes électorales, ils attendaient. Juste après la campagne électorale, là, ils allaient prendre deuxième femme. Parce qu'ils savent que les cadres allaient, les terres, ils allaient dégager un peu les choses. Ils allaient libérer les choses. Donc, ils attendaient campagne électorale pour prendre deuxième femme. Mais c'est vrai un peu. Nous autres, on s'est dit, bon, après la campagne, on va prendre, hein, tu vois, on va officialiser les choses. Et puis, si vous êtes venus, vous êtes retirés, le truc est froid, c'est bizarre. On dirait viande de brousse dans la tchèpe. C'est bizarre, on dirait viande de brousse dans la tchèpe. Et puis, dans ça, là encore, vous allez venir nous énerver. Donc, les élections auront bel et bien lieu. Tous ces simagrées, toutes ces petites actions qui se posent, vous voyez ça et là, on coupe l'arbre ici, on descend manguier ici, on bat goudron ici. Je vois ma Benoît, ils ont pris briques, monté ce qu'on appelle aujourd'hui le mur de Benoît, au lieu du mur de Berlin, et ils ont fait mur de Benoît. Mais c'est rien. Ibrahim Amoussa Soudoubé, mon frère, mon associé, faut pas oublier de balancer ça à l'autre côté. Abiba Tamira, je suis fier de toi. Abiba, je suis fier de toi. Tu es une guerrière même. Je suis fier de toi. Je t'ai vu quelque part là. Tu sais de quoi je parle. Je n'ai pas voulu t'arracher ça, non. J'ai laissé pour voir si tu allais tenir le combat. Mais tu as relevé le défi. Tu m'as montré que je peux être fier de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu m'as montré que tu n'as pas besoin de boing. Toi-même, tu frappes. Toi seul, tu les as déstabilisés. Seul. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ces gens de militants là qu'on a besoin. Des gens qui sont convaincus. Qui ont les arguments, qui connaissent l'histoire politique de notre pays. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que dans l'affaire de désobéissance civile,
C'est à Bonnoy, chez Madame Laurent Gbagbo, sa ville d'origine. C'est à Bongouanou, chez Pascal Affi N'Guessan. C'est par lui, mais je vais terminer. Quand ça va enlever les toitures. Posez-vous la question, chez qui encore? À Daoukro, qu'il y a eu des soubresauts. Posez-vous la question, pourquoi c'est dans les villes comme Yams? En réalité, nous avons en face de nous une opposition. Nous avons en face de nous une opposition qui n'a pas d'impact sur la génération actuelle. Qui n'a plus d'impact. C'est-à-dire, entre eux, leur réalité et puis nous, là, c'est pas la même chose. C'est plus la même chose. Notre vision de la politique, du combat qui est mené actuellement et puis nous, là, c'est plus la même chose. Donc, ils sont obligés de s'attacher à une autre génération. Laquelle génération? Parce que les jeunes, les hommes, aujourd'hui, ils ont compris. Beaucoup de jeunes, si vous voyez que l'opposition a du mal à décoller, à prospérer dans tous ces mots d'ordre qu'ils lancent, c'est quoi? C'est dû au fait que nous, notre génération, aujourd'hui, on a compris qu'on a été utilisé pendant des années, qu'on a été manipulé pendant des années, qu'on nous a fait un lavage de cerveau pendant des années, mais qu'aujourd'hui, on a décidé de prendre nos responsabilités pour aller vers le développement, pour aller à la stabilité, pour aller à la paix. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? L'opposition actuelle, eux, ils sont obligés aujourd'hui d'aller chercher les vieux, des personnes d'un certain âge, des gens qui sont plus âgés que nous. La génération jeune, là, ils ont laissé ça. Maintenant, ils vont vers les vieux, les chefs traditionnels. Ils vont vers des personnes, je ne sais pas, des personnes d'un certain âge. Regardez bien ce que je viens de vous dire. Et ils vont leur faire passer le parti politique comme une religion. En fait, c'est bien. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Même chez nous, ici, ils ont changé l'eau. Ils ont fait courant. Ils ont fait château d'eau. Mais le vieux, tu vois que si nous, on n'est pas au pouvoir, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Il a fait deux fois. Maintenant, il dit qu'il va faire encore trois. Est-ce le vieux? Est-ce chez nous, ici, là, tu as vu quelqu'un qui a fait trois une fois? Est-ce moi, mais j'ai été président ici, il a fait trois fois? Est-ce que l'autre, là, il a fait trois fois? Le vieux est dans son système. Il est dans son milieu. Il ne voit pas. C'est lui maintenant qui appelle ses enfants. Comme le parti lui-même, par ses mots d'ordre, n'arrive pas à mobiliser l'enfant, maintenant on envoie le vieux vers lui. Le vieux maintenant appelle ses enfants. Vous là, quand on vous appelle pour ça, là, vous ne partez pas. Et puis c'est le vieux lui maintenant qui donne des ordres aux enfants de sa maison pour aller manifester, pour aller brûler sur les routes. Et comme tous les enfants ne peuvent pas répondre à l'influence, aux ordres de papa, le père leur dit, celui qui ne va pas aller sur la route, fermer les routes, couper arbre là, le soir là, tu ne manges pas ici. Tu ne manges pas ici. Donc l'enfant va sur la route, pas parce qu'il est convaincu de ce qu'il s'en va faire, mais il s'en va parce que s'il ne va pas là, le soir, il ne mange pas à la maison. Parce que s'il ne va pas là, le soir là, il ne mange pas à la maison. On dit, on risque même de le renier de la famille. Il y a beaucoup de villes, vous voyez des jeunes dehors là. Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Hein. Ils sont conditionnés. Ils sont conditionnés. Oui, grand frère Corolla, qu'on soit salué depuis ta position. Ils sont conditionnés. Soyez sereins. Soyez tranquilles. Les élections auront bel et bien lieu. Soyez sereins. Soyez tranquilles. Les élections auront bel et bien lieu ici. En Côte d'Ivoire. Soyez sereins. On va aux élections le 31 octobre. Le 31 octobre, on va aux élections. C'est de ça qu'il s'agit. On va et on s'en va aux élections. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Soyez sereins. Il n'y a rien. Les soubresauts par là. Les soubresauts passés dans tel quartier, on a brûlé pneus, on a brûlé une appartement d'une femme qui vend placali, on a brûlé un marché de garba ici. Ça, ce sont des... Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est des actions qui ne peuvent pas empêcher les élections en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils vont faire. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est des actions d'éclair, d'éclat. Ils viennent, ils font ça et puis ils disparaissent. Tu ne sais même pas qui a fait. Quand on est garçon et qu'on a confiance en soi, et ça c'est à celui qui va faire guérir tous ceux qui le suivent.
Quand on est garçon et qu'on a confiance en soi, là, on vient, on prend position. On vient, on prend position. Et puis on dit, nous l'on est ici. Personne ne rentre ici. Mais on ne va pas la nuit faire ça, des crépuscules, faire ceci, cela, faire ceci, cela. Et puis on disparaît. Et puis on dit, il n'y aura pas élection. Il y aura bel et bien des élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Il y aura bel et bien des élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse tout le monde. Soyez tranquilles, la Côte d'Ivoire est dirigée, le pays est dirigé, le pays est gouverné. On est ensemble. La situation, tout va bien les gars. Ne vous laissez pas affoler, ne vous laissez pas débattre, ne vous laissez pas quoi que ce soit. Tout va bien, le pays est gouverné, le pays est géré. Nous allons aller aux élections. Il y aura bel et bien des élections. Les soubresauts, ça et là, ça ne va pas empêcher les élections en Côte d'Ivoire. La CEDEAO est venue en Côte d'Ivoire. La CEDEAO peut rentrer quand elle veut en Côte d'Ivoire. Elle peut ressortir quand elle veut de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un événement. Nous, on est en campagne électorale pour les élections du 31 octobre. Les gars, soyez rassurés. Soyez rassurés et soyez tranquilles. Merci. Et puis, à très bientôt. Je rappelle, pour tous ceux qui ont besoin de nos services. J'ai dit, de nos services, pour tout ce que nous avons cité, vous avez déjà le contact. Et le contact, c'est le 07 39 09 09. Nous avons dit, pour tous ceux qui voudraient s'acquérir un terrain, voilà, au niveau d'Abidjan. Parce que c'est là-bas que nous avons pu avoir un cabinet sérieux, une maison, une entreprise sérieuse, voilà, qui dirige des terrains avec attestation villageoise, avec ACD, avec qu'on appelle un truc provisoire. C'est important. Mani FD, ma grande soeur, désolé, je suis actuellement à l'intérieur, à Bangoro, parce que chez moi, le président sera ici le jeudi. Quand on va finir le jeudi, voilà, je vais tout faire pour entrer en contact avec toi, parce qu'il faut que je te vois avant que tu partes. C'est important pour moi. Voilà, je vais tout faire pour entrer en contact avec toi. Désolé si on n'a pas vu, j'ai couru pour venir rapidement, pour venir aussi apporter ma petite pierre à l'édifice pour que l'arrivée du président ici soit réellement l'événement que nous souhaitons tous. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les Ivoiriens, Dieu garde tout le monde, que tout le monde soit en bonne santé, en paix et tranquille ici en Côte d'Ivoire. Le contact, c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09, c'est un numéro WhatsApp 24 sur 24. Tant que la terre tourne. Je dis bien tant que la terre tourne. Le numéro est ouvert. Tant que la terre tourne. 07 39 09 09. Le 225 07 39 09 09. Pour tout achat de terrain à Abidjan, voire même à l'intérieur du pays. Voilà, il faut sécuriser votre achat. Il ne faut pas passer par tout le monde. Et la voie crédit, la voie officielle, actuellement en Côte d'Ivoire, c'est ici. C'est le seul numéro. Il n'y en a pas ailleurs. Vous voulez aussi un véhicule, vous voulez aussi des maisons meublées pour vos séjours. En tout cas, toutes ces choses-là, vous pouvez nous appeler. Vous venez d'habiter, vous avez besoin d'un guide, homme comme femme, ça dépend de vous. Vous avez besoin d'un chauffeur, appelez-nous. On est ensemble. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.